Cet apogée du pouvoir des médias annonce aussi leur chute. Les indices de confiance en baisse constante n'en sont pas et de loin le seul indicateur. L'information de masse n'est plus de l'information, mais une liturgie du néant dans laquelle la communion est impossible à moins qu'on ait l'esprit parfaitement vide ou endormi. Or, de plus en plus d'humains refusent d'entrer dans cette communion. La vérité, on le sait, est une... Est, la vérité, pardon. On le sait. Est une quand le mensonge a de multiples visages. Une information fondée sur la quête de la vérité rassemble, rassemble les gens, alors qu'une information fondée sur la quête de contrôle et d'influence divise. Nous sommes déjà entrés dans un monde post-médiatique où une société jadis homogène a fait place à des féodalités narratives, les unes majoritaires, assises sur l'utilitarisme et le contrôle, et les autres minoritaires fondés sur la quête du vrai. Aujourd'hui déjà, les camps sont retranchés, les ponts sont levés, et la communication entre ces mondes est pratiquement inexistante. Mais cette opposition se traduira par une lutte à mort jusqu'à ce qu'un principe impérieux de réalité ou de raison s'impose par-delà les tranchées.